Bonjour frères et sœurs, bien-aimés, vous tous qui avez l'habitude de me suivre dans mes enseignements, vous tous enfants de Dieu, vous tous qui êtes peut-être enfants du ministère ou enfants dans la foi, vous tous peut-être qui pour la première fois vous voulez me suivre, que le Dieu Tout-Puissant que je sers avec persévérance puisse vous bénir. Que le Seigneur continue à vous visiter en ces temps de fin d'année et en ces temps où nous voulons démarrer une nouvelle année. Vu les événements qui sont passés dans ce monde ou qui continuent à se dérouler jusqu'à présent, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous bénir avec une parole. Et surtout plus, ma parole va concerner les familles. Parce que les familles sont très précieuses aux yeux de l'Éternel. Dieu est un Dieu de famille, dit le livre de Jérémie 31, verset 1er. Dieu est un Dieu de famille. Il a une alliance avec les familles. C'est pourquoi il tient aussi à bénir les familles. Peut-être vous vivez dans une famille qui est en trouble, une famille qui est en difficulté, une famille disloquée, une famille séparée, une famille recomposée. Une famille, peu importe, monoparentale, une famille où vous avez trop de difficultés, ou carrément une famille remplie de bonheur, mais ce message aussi peut vous concerner. Car Dieu donne une famille à celui qui n'en avait pas, dit les Écritures. Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu qui aime les familles. Mon message sera adressé principalement aux responsables des familles ainsi qu'à ceux qui composent la famille. Quand nous parlons des responsables, c'est-à-dire les responsables qui s'occupent de la famille, que nous appelons notamment ici chef de ménage ou chef de famille ou chef terne de famille. Les responsables numéro un, ainsi que son adjoint ou son adjointe, et y compris ceux qui composent la famille. Car la famille est sacrée. La famille, elle est sacrée. Elle mérite une prière de bénédiction chaque année par un envoyé de Dieu. Elle mérite une prière familiale. Elle mérite une prière qui est prononcée par les responsables de la famille. Et c'est très important. Et elle mérite les paroles prophétiques d'un responsable de famille, ou les paroles bénies, les paroles inspirées de Dieu, pour pouvoir bénir la famille. Parce que la famille, c'est une entité précieuse aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons souhaité partager ce petit moment ensemble avec vous. Partager cette expérience, partager la parole, partager les idées, partager peut-être un moment prophétique avec vous aussi. Car ce sont des moments importants pour lesquels Dieu nous parle, pour lesquels Dieu nous inspire. Je n'ai pas préparé un long sermon, mais j'ai préparé une petite exhortation où nous passons à un moment d'écoute, de compréhension, et un moment où nous pouvons aussi nous poser des questions nous-mêmes par rapport à la famille et par rapport à la destinée de la famille. Et c'est très important. Nous ne devons pas blaguer avec la famille. Nous ne devons pas négliger la famille. Nous ne devons pas non plus laisser la famille à la merci ou au merci de l'ennemi, aux mains de l'ennemi, pardon. On ne peut pas laisser la famille, nous ne devons pas laisser la famille aux mains de l'ennemi. Nous ne devons pas la livrer non plus
aux yeux ou aux mains des persécuteurs. Nous ne devons pas livrer la famille aux mains des persécuteurs. Mais nous devons protéger la famille. Nous devons la sauver. Nous devons aider la famille pour que la famille vive aussi à son temps la bénédiction qui vient de notre Dieu. Car Dieu est un Dieu de famille. Il a dit beaucoup de chapitres dans la Bible qui parlent de famille. Dieu bénit la famille qui craint l'Éternel, psaume 128. Dieu rend cette famille une famille bénie. Dieu fait descendre dans cette famille le bonheur. Et Dieu fait descendre dans cette famille la bénédiction. Les enfants sont comme une bénédiction dans cette famille. L'épouse est comme une vie féconde dans cette famille. Et la Bible dit qu'ils verront les enfants de leurs enfants. Et ils verront le bonheur de Sion ainsi que sa bénédiction. Ça, c'est l'héritage que Dieu donne à des familles. Pour Psaume 128, verset 1 à 6, c'est l'héritage d'une famille qui craint Dieu. La famille doit être bénie parce que Dieu a dit dans Proverbe 12, verset 6 à 7, renverser les méchants de son prix et la maison de juste reste debout. La famille doit être debout. De même aussi, nous devons continuer à bénir la famille par nos prières, par nos paroles, parce que Dieu a dit, la maison de juste sera dans le bonheur, ou sera remplie de l'abondance. Proverbe 15. Donc la maison doit être remplie de l'abondance. Quand vous lisez Proverbe 15, vous allez trouver ça. Donc tout ça pour nous montrer à quel point le Seigneur est en train de remplir le bonheur à la famille. La famille doit être accompagnée aussi du bonheur de Dieu. Proverbe 23. Doit être accompagnée du bonheur de Dieu et de la grâce du Seigneur. Verset 6. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Ça, je parle au nom de la famille. Au nom des familles. Donc nos familles doivent être remplies de bonheur, de grâce, de paix, de justice. C'est là que Dieu attend. Peut-être l'année passée, la famille était troublée. Peut-être l'année passée, la famille était en difficulté. La famille était dans le pleur, était dans le gémissement. Mais c'est le moment où vous devez vous ressaisir. Peut-être la famille était divisée. La famille ne s'entendait pas. La famille était dans les blocages. La famille était dans la confusion. La famille était dans diverses choses ou situations. Mais dans ce moment ici, ou en ce moment ici, cette exhortation vient pour ressouder la famille, pour redonner la vie, pour redresser la famille, pour conduire les gens à vivre la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'unité de Dieu, la justice de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus meilleur que la paix de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui apporte la paix. Je peux en avoir, tu n'as pas la paix. J'ai des gens autour de moi qui en ont beaucoup. Beaucoup, beaucoup, je parle bien beaucoup. Ce n'est pas des mille, des millions, ce sont des millionnaires. Mais qui m'appelle toujours pasteur Kazem, pasteur Gabriel. Je ne suis pas en paix. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux faire ça? Mais ce sont des millionnaires. Je dis, mais je vais l'aider en quoi? Vous dites, mais tu peux m'aider dans telle situation? C'est parce que ce n'est pas l'argent, mais d'abord la paix intérieure que Dieu peut te donner, que tu pourras recevoir au travers de Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre âme plutôt, et de tout votre esprit. Lorsque vous donnez votre vie réellement à Jésus-Christ, lorsque vous laissez la place au Seigneur de vous conduire, lorsque vous laissez l'espace à Jésus de vous parler, lorsque vous laissez une place importante à Christ de pouvoir gérer votre vie, lorsque vous laissez une place importante à Christ de pouvoir vous diriger, vous conduire, vous transporter sur ses ailes pour vous amener dans les hauteurs, dans la dimension qu'il a préparée pour vous.
la paix sera possible. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui donnent la paix. Mais c'est Christ d'abord en vous. C'est Christ qui donne la paix. Et quand Christ commence à habiter en vous réellement, qu'il commence à travailler en vous, et que vous mettez la foi en Christ, une foi illuminée, comme je l'ai déjà prêché, il y a trois dimensions de foi. La foi qu'on reçoit quand on lit les Écritures ou quand on écoute la parole. Une foi par information. Mais une deuxième fois, une foi révélée. Lorsque la révélation tombe au cœur de vous, vous recevez la révélation. La Bible dit que la révélation de la parole est claire. Mais lorsque vous quittez la dimension de la foi révélée, vous allez accéder à la dimension de la foi illuminée. Où Paul dit, je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez l'espérance qui s'attend à votre appel. Vous arrivez à la dimension de la foi illuminée. Et dans cette foi illuminée, Dieu vous prépare. Dieu vous aide. Dieu vous communique sa foi à lui. Vous commencez à vivre tel que les Écritures vous disent, pas par vos efforts, pas par vous-même, mais par le Saint-Esprit qui vous aide, qui vous communique cette foi-là, qui vous communique la foi illuminée. Et dans cette foi illuminée, vous êtes déjà candidat à obtenir un témoignage favorable. Vous êtes candidat à obtenir un témoignage favorable parce que vous avez la foi qui est illuminée. Ce n'est plus qu'une foi normale comme tout le monde. Mais c'est une foi illuminée qui vous permet de pouvoir stabiliser la famille. Et dans cette dimension de foi, tous les problèmes qui arrivent, vous n'avez pas peur. Vous ne craignez rien. Parce que vous croyez à la puissance de la parole qui enfante les choses. Vous sommes bénéfiques. La Bible dit que la parole de l'Éternel enfante les biches. Les montagnes se déchirent à la voix de la parole, à la voix de Dieu. Ou la voix de l'Éternel enfante les biches. Ou la parole de l'Éternel enfante les biches. Et la voix de l'Éternel fait fondre les rochers. Et la voix de l'Éternel fait tomber les cèdres des limons. Quel que soit le cèdre qui se dresse contre vous, quel que soit le rocher qui est devant vous, qui fait blocage, qui vous empêche d'avancer, mais la voix de Dieu, qui est sa parole, quand vous l'appliquez, quand vous le mettez en action, automatiquement Dieu s'engage. Et la parole commence à enfanter des résultats dans votre vie. Merci. Je m'adresse aux familles de se ressaisir, de retourner vers le Seigneur, ensemble, pour voir dans la même direction, voir ce que Jésus prépare, voir ce qui arrive dans les jours à venir. Car il y a toujours de l'espérance pour ceux-là qui vivent. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui ne sont pas encore morts. Ceux qui sont morts n'ont plus d'espérance. Ils sont partis pour attendre la résurrection des morts. Ils sont partis, d'autres pour la gloire de Dieu directement. Mais ici, c'est ceux-là qui croient en Dieu qui doivent comprendre ce genre de message. La famille, elle est très importante, elle est très utile. Elle est très importante, elle est très utile. Parce que la famille, c'est elle qui est la base de notre vie. Grâce à la famille que nous sommes, ce que nous sommes aujourd'hui. Peu importe ce que nous pouvons dire, mais la famille est très importante. Alors je vais lire quelques écritures ensemble avec vous, pour parler un peu de la famille. Parce que la famille est quelque chose de très utile. De très utile. On ne peut pas séparer la famille et la parole de Dieu, parce que la famille, quand on parle de la famille, on doit retourner vers la parole du Seigneur qui parle plus de la famille. Donc je suis dans Jérémie chapitre 31 au verset 1. Je vais prendre mes lunettes de lecture. J'ai toujours des lunettes, une pour la lecture, une pour la vision de loi. Alors, Jérémie 31, je suis au verset 1 et je vais commencer à expliquer l'importance de cette prière que je voudrais faire. Une prière prophétique,
mais aussi une prière épiscopale en tant qu'un évêque de Dieu. En tant qu'un ancien, si vous voulez bien. Évêque, c'est un ancien. En ce temps-là, dit le Seigneur, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Merci. En ce temps-là, quel est ce temps aujourd'hui? En ce temps-ci, aujourd'hui où nous parlons, Dieu dit, il est le Dieu de toutes les familles. Il est le Dieu de toutes les familles. Parce qu'il est un Dieu qui ne fait exception à personne. Vous soyez pauvres, vous soyez riches, vous soyez nombreux ou peu, mais il est le Dieu de toute la famille. Il donne la famille à celui qui n'en a pas. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu de toute la famille. Et la famille est quelque chose de trop précieux. La famille est trop précieuse et doit être préservée. Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu qui aime les familles et qui a créé les familles. Vous allez remarquer que la famille aujourd'hui subit beaucoup de chocs, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes parce qu'on a inversé l'ordre que Dieu avait établi pour la famille. Et lorsque l'ordre est inversé, vous allez voir que la famille devient une famille avec beaucoup de difficultés parce que l'ordre que Dieu a créé n'est pas respecté. Lorsque vous achetez votre voiture, on vous donne les manuels d'utilisation de cette voiture. Comment vous devez l'utiliser, comment vous devez faire, avec un carnet d'entretien d'ailleurs. Lorsque vous achetez un appareil, on vous donne les manuels d'utilisation. Comment vous devez utiliser cet appareil. Lorsque vous ne respectez pas les normes ou les consignes du constructeur, l'appareil finira par s'abîmer avant même la garantie. Parce que vous n'avez pas respecté les normes que le constructeur avait imposées. Et c'est pareil. Lorsque vous ne respectez pas les normes que Dieu a imposées dans la famille ne sera plus famille. La famille se détruira. La famille va commencer à connaître des problèmes parce que vous n'avez pas respecté les normes que Dieu lui-même, le constructeur de la famille, l'initiateur de la famille, avait imposées. Vous ne devez pas vivre selon la société, mais vous devez vivre selon l'ordre que Dieu a établi dans la famille. Et c'est cela qui va aider la famille à être dans la paix. Mais quand vous dépassez l'ordre que Dieu a établi dans la famille, vous voulez vivre selon ce que vous voyez à l'extérieur, donc automatiquement vous n'êtes plus une famille garantie, sécurisée par Dieu. Donc Dieu n'est plus avec vous en ce moment-là. Dieu n'est plus le garant de cette famille. Et la famille va commencer à avoir des difficultés. Et la conséquence retombe sur les descendants ou sur les enfants. Dieu soit loué. Alors, dans l'idée de Dieu, Dieu avait pensé de créer une famille. Il a commencé par créer Adam. En créant Adam, la Bible dit que faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Genèse 1, verset 26 à 28. Afin qu'il domine sur toute la terre. Et Dieu a tout mis sous sa responsabilité. Mais dans Genèse 2, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Mais Dieu dit, mais il n'est pas bon que cet homme soit seul. Genèse 2, verset 18 à 24. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une œuvre semblable à lui. Dieu a pensé à créer une œuvre semblable pour l'homme, afin qu'il forme la famille. Et il a tiré de l'os de l'homme une côte en formant la femme. Et en les unissant, tous les deux sont devenus une même personne. Et après avoir créé l'homme, il a amené vers l'homme. L'homme l'appelle femme et il dit, voici celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Elle
la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera le corps de son père et de sa mère. Ils s'attacheront ensemble avec son épouse, ou l'épouse quittera aussi bien sûr, et ils deviendront une seule chair. Et dans ce texte, nous voyons quelque chose de très important. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est le même Dieu qui a tiré de la côte de l'homme, du corps de l'homme, pardon, une côte, pour en faire une femme qui lui est semblable. Une aide qui lui est semblable. Une femme, donc, une aide qui lui est semblable. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, au début. Et il a créé l'homme à son image. Mais lorsqu'il a créé la femme, il n'a pas dit, créer la femme à notre image. Non. Il a dit qu'il a pris une côte dans l'image qui existait déjà. Il a formé une femme. Avec la côte de l'image qu'il a créée, qui est l'être humain, qui est l'homme. Il a tiré la côte, il a formé une femme. Et il a amené la femme vers l'homme. On n'a pas dit qu'il a amené l'homme vers la femme. Non. C'est la femme qui est allée vers l'homme. Cela veut dire que c'est la femme qui est allée entrer dans ce que l'homme faisait déjà. Parce que l'homme était là comme gérant du jardin. Il était là comme administrateur du jardin. Donc il a amené l'homme, la femme vers, il a amené la femme vers l'homme pour qu'ils puissent gérer ensemble le jardin. Et la femme est partie là. La Bible dit que l'homme, cette fois-ci, a dit, voici celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appelle la femme. Donc, l'homme a dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire qu'une partie de moi, l'os de mes os, un de mes os, une de ma chair, une partie de ma chair. Et il en a fait une seule personne. Malheureusement, vous allez voir, dans le couple d'aujourd'hui, il n'y a plus l'os de mes os. Il n'y a plus chair de ma chair. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. La femme, au lieu qu'elle soit l'os, elle est devenue peut-être serpent contre l'homme. L'homme se voit aussi serpent contre la femme. Donc, ça ne peut pas passer comme ça. Donc, il va falloir que tous les deux soient ensemble. Donc, dans la famille où l'ordre est inversé, dans la famille où la vérité de Dieu n'est pas acceptée, la parole de Dieu n'est pas en place, elle n'est pas acceptée comme vérité qui doit aider, comme le manuel, comme le guide de la vie familiale que Dieu a donné à l'être humain, lorsque la parole n'est plus acceptée, donc la femme en ce moment-là n'est plus l'os de ses os. Mais l'homme prend sa femme comme étant un serpent qui doit tuer. Et la femme prend son homme comme étant un serpent qui doit tuer. Voilà ce qui arrive souvent dans les familles. Parce que l'ordre est inversé. L'homme n'est plus source d'inspiration pour la femme. Parce que pourquoi il doit les suivre? Parce que l'ordre est inversé, chacun veut vivre comme il veut. L'ordre est inversé, il a pris la même vision. La femme a ses inspirations à lui de sa manière, il veut faire ce qu'il veut. L'homme aussi a ses inspirations, il veut faire ce qu'il veut. Donc chacun marche de son côté. Et la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord, sans être convenus. Amos 3:3. Et dans ce cas, la finalité de ce genre de couple, c'est la destruction, c'est la séparation. Sans faute, vous êtes exposés à la séparation. Parce que chacun veut faire ce qu'il croit faire, sans une concertation ou sans se mettre d'accord. L'homme n'apprécie pas la femme n'apprécie pas l'homme. Les enfants n'apprécient pas papa, les enfants n'apprécient pas maman. Mais comment vous allez accepter que Dieu continue à soutenir cette famille? Le diable va entrer pour détruire, pour écraser la famille, pour faire du tort. La famille est quelque chose de précieux. La femme va chercher à s'imposer dans la famille. Et l'homme va chercher à s'imposer dans la famille. Tous les deux, vous vous imposez, ça ne va pas aller. Ça va créer des flammes. On ne peut pas mettre deux pôles
au même endroit, Paul plus Paul, deux Paul au même endroit, ça va se plus, ça va s'éclater. Il y aurait des flammes. Donc la famille est très importante. La famille est très importante. Donc la famille est la bénédiction de Dieu. Elle est déjà la bénédiction de Dieu, la famille. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a souhaité. Alors quand la famille n'est pas ensemble, quand la famille n'a pas de mêmes idées, quand la famille est disloquée, quand la famille a la foi différente de l'un et l'autre, c'est pourquoi il est très dangereux dans une famille où l'un a la foi telle, l'autre a la foi X. J'ai béni un homme de Dieu, je ne suis pas son nom parce que je sais pas son nom. Il dit dans ses prédications, il dit, nous n'avons jamais tenté de croire différemment, que moi je crois à telle chose, mon épouse croit à autre. Que moi j'écoute tel prédicateur, mon épouse écoute un autre prédicateur, ça ne se fait pas. Nous écoutons les mêmes prédicateurs, les mêmes chemins que j'ai fait, les mêmes mentors qui m'encadrent, les mêmes mentors qui m'ont aidé. C'est les mêmes personnes que mon épouse a écouté et qu'il écoute, qu'il a suivi, qu'il a lu les livres. Pour qu'il puisse avoir les mêmes idées, les mêmes, la même pensée, la même orientation que moi j'ai. Voilà un peu cet homme de ce qu'il a dit. C'est pourquoi ils sont tellement bénis, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de milliards, parce qu'ils marchent dans la même idée, dans la même vision. Donc, il ne peut pas aller à l'encontre de la prédication de son mari, ou il ne peut pas aller à l'encontre de la prédication de sa femme, parce que tous les deux, ils prêchent. Il ne peut pas aller à l'encontre de la prédication de la femme. Et ils font beaucoup d'actions. Ils aident beaucoup de gens. Ils payent beaucoup de gens. Parce que Dieu les a bénis, parce que quand je suis ses enseignements, ce qu'il dit, j'ai dit, c'est tout à fait normal, parce qu'il a déjà obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu. Et quand la famille est unie de cette manière, vous êtes bénis. Il a dit, nous dormions, Cyril Nat, autrefois. Nous vivions dans un petit studio, on n'avait rien. Même la famille, même la belle-famille voyait que comment il peut aller se marier avec un homme comme ça. Mais on ne savait pas que plus tard, nous aurons des avions, nous aurons toutes ces choses. Mais par la foi qu'il a appliquée en Dieu, en suivant le même chemin ensemble, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, avec de grands ministères. Et nous bénissons Dieu pour ces ministères. Parce que ça aide beaucoup de serviteurs. Ça nous aide nous tous qui prions le Seigneur. Nous tous qui sommes serviteurs et qui sommes passés par ces ministères. Ça nous aide beaucoup parce que nous avons suivi beaucoup des enseignements. Alors, bien aimé, la famille est quelque chose de très important et quelque chose de précieux. On ne peut pas détruire ce que Dieu a semé. On ne peut pas détruire ce que Dieu a planté. Vous devez veiller sur la famille. Vous devez veiller sur les enfants. Vous devez veiller sur tout, parce que c'est cela que Dieu vous a donné comme héritage. C'est la bénédiction que Dieu vous a donnée. Les défauts de votre épouse ne peuvent pas vous empêcher de continuer à vivre avec. Les défauts de votre mari ne peuvent pas vous empêcher de vivre avec. Tu ne peux pas aller trouver une autre femme qui n'a pas de défauts plus que celle que toi tu as. Tu ne trouveras non plus un mari qui n'a pas de défauts tel comme celle que toi tu as, qui n'a pas de défauts plus que celle que toi tu as. Celui que toi tu as. Les parents non plus, les enfants non plus, pardon. Vous n'allez pas trouver des parents qui sont plus meilleurs que vos propres parents. Non. Le meilleur parent, ce sont vos propres parents. Ce ne sont pas les autres. Le meilleur, ce sont vos propres parents qui vous encadrent. De même, pour les croyants aussi, et leur père spirituel, le meilleur père spirituel, ce ne sont pas des pasteurs qui viennent vous prêcher à l'église et le meilleur part. Non. Ce sont ceux-là qui ont souffert avec vous, qui connaissent vos difficultés, qui marchent avec vous. Dans le nuit ou jour, ils sont avec vous. Ils ne vous lâchent pas. Vous soyez dans les difficultés, dans la bénédiction, ils sont là. C'est ça le vrai père. Ce n'est pas demain quand vous serez béni, vous cherchez des pères qui sont bénis, vous abandonnez le père qui a été avec vous, qui a souffert avec vous. Ça, vous n'avez pas compris le sens de la parole de Dieu. On ne change pas les pères. On peut changer l'église, mais on ne change pas les pères. On reste avec les mêmes pères. Je ne suis plus chez Pasteur Ngoy. Il est déjà mort d'ailleurs. Même s'il n'était pas mort, j'étais déjà sorti de son église. J'étais déjà devenu pasteur. Lui, il venait prêcher dans mon église. Il est venu consacrer les pasteurs dans mon église. Il venait consacrer les pasteurs. Il venait prêcher à l'église. Mais il était toujours père.
J'ai dit, c'est mon père. Et quand je devais consacrer le serviteur, c'est lui que j'ai invité de venir consacrer le serviteur parce que c'est le père. Donc recevoir la bénédiction d'un père, c'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est pourquoi ce soir, je voulais vous bénir avec ma parole, avec la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, afin que vous soyez bénis grandement. Parce que c'est le temps de la fin de l'année. Il faut une parole prophétique que vous saisissez, qui va dessiner votre destinée, qui va dessiner votre année à venir. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, la famille, c'est quelque chose d'important. Le chef de la famille, le responsable de la famille, d'ailleurs la Bible dit que le mari est le chef de la femme. C'est-à-dire, en outre, il est le chef de la famille. Et si le mari n'est pas, donc la maman automatiquement elle devient chef de la famille. Parce qu'elle prend la responsabilité à la place de son mari. C'est clair. Donc, la famille est quelque chose de précieux. Et un chef de famille est responsable et doit pouvoir plutôt aux besoins de la famille. Un chef de famille doit tout faire de pouvoir aux besoins de la famille. Et c'est très important. C'est lui qui doit pouvoir aux besoins de la famille, ensemble avec son partenaire, ou son adjoint, peu importe. Deuxièmement, le chef de famille veille sur la sécurité sociale de la famille. Il doit veiller à ce que les enfants et la famille soient en sécurité sociale. C'est très important. Je ne parle pas de ce que vous percevez en Europe. La sécurité de la famille, le chef de famille doit pouvoir à ça. Il doit prendre des précautions déjà de cela. Et troisièmement, le chef de famille doit prendre soin de sa famille. 1 Pierre 5, verset 8. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un païen. Donc il doit prendre soin de la famille. Qu'on soit rendu au Seigneur. Alors moi je vais vous bénir en tant qu'un père de la famille. En tant qu'un père d'une grande famille des enfants de Dieu. D'une grande communauté Mission Chrétienne Vie Nouvelle. D'un grand ministère qui amène beaucoup de gens à se connecter. Je veux vous bénir là où vous êtes partout. Vous qui me suivez partout, dans des médias, par mes prédications, peut-être par des nets, peut-être par des plateformes que nous utilisons, Radio Canal Vie Nouvelle.org, Radio Uni Radio 2, M7 Radio, peut-être par M7 TV1 ou par Evette Kazé Gabriel Ministries, tout ça sur YouTube. Donc vous pouvez tout ça suivre et vous allez recevoir la même bénédiction. Pourquoi je voudrais vous bénir? Genèse 49, verset 1 au verset 2. Je vais lire ce verset qui a été dit par... qui a été inspiré par Jacob. Genèse 49, verset 1 au verset 2. Et c'est là où je vais proclamer les paroles de bénédiction sur vous. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. » Jacob rassembla ses enfants et il les appela, il les assembla. Et quand il les assembla, il leur annonça les choses qui devaient arriver. Il les assembla, il leur dit, écoutez votre père, je vous annoncerai les choses qui vont vous arriver plus tard ou qui arrivent aux choses à venir. Et il a commencé à bénir chacun d'eux par une bénédiction qu'on appelle la bénédiction prophétique. Et c'est cela qui s'est accompli dans la vie des enfants de Jacob. Ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, les descendants du peuple d'Israël. Moi aussi, par ce même texte, je vous appelle. Je vous invite. Si vous avez la foi en Dieu, par des paroles prophétiques que je vais dire sur vous, sachant que Dieu confirme
les paroles de ce serviteur envoyé. Selon Ésaïe 44, verset 26. Dieu a dit une parole par Jacob, et cela est descendu sur tout Israël. Ésaïe 9, verset 7 à 8. Dieu a dit une parole à Jacob. Il a envoyé une parole à Jacob. Cela est descendu sur toute la descendance, toute la famille. C'était une parole de bénédiction. De même, 1 Roi 8:56, de toutes les paroles que Dieu a prononcées par la bouche de Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. La parole était proclamée par la bouche de Moïse, mais la parole était la parole de Dieu qu'il avait répétée, qu'il avait proclamée. Et la Bible dit, aucune d'elles n'était restée sans effet. Une parole était prononcée par Moïse, et la main puissante de Dieu l'a accomplie. Toujours 1 Roi 8, à partir du verset 15. Dieu accomplira la parole que je vais prononcer. Ce sont des paroles que j'ai tirées de la Bible, que je vais proclamer sur vous, sur la famille, là où vous êtes, avec vos enfants. Mettez-vous ensemble. Rassemblez vos enfants. Cette parole sera une parole de bénédiction sur vous. Et à la fin, j'ai fait une prière de bénédiction sur vous. Merci Seigneur. Mettez-vous ensemble avec vos enfants. S'il faut les tenir, vous les tenez. S'ils sont loin, dites-les de se communiquer, de se connecter. Et on va faire cette prière ensemble. Je vais déclarer cette prière. Merci Seigneur. Comme Jacob avait proclamé les paroles prophétiques sur ses descendants, et cela s'est accompli. Dieu avait envoyé une parole sur Jacob, cela est tombé sur Israël. Dieu avait donné une parole à Moïse, et tout ce qu'il a dit par la bouche de Moïse, cela s'est accompli. Moi aussi je l'ai dit, que toutes les paroles que Dieu a dit dans ma bouche, que Dieu a mis dans ma bouche, doit avoir les mêmes effets tels que c'était au temps de mes ancêtres, Jacob, au nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu auras une vie sans nuage, car la Bible dit, celui qui sert le Seigneur avec crainte aura une vie sans nuage, ou celui qui règne dans la crainte, il aura une vie sans nuage. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les nuages qui couvraient ta vie, que cela s'écarte au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Tous les nuages qui couvraient ta vie, peu importe les nuages qui couvraient ta vie, je les déclare aujourd'hui, que cela s'écarte de toi au nom de Jésus-Christ. Que cela laisse place à la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore, que toutes tes ténèbres seront changées en lumière à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 42, verset 16, que je changerai tes ténèbres en lumière. Je déclare que toutes tes ténèbres que tu as connues dans la vie, jusqu'en 2021, je déclare à partir d'aujourd'hui que toutes ces ténèbres s'arrêtent, que cela devienne une lumière, afin que tu obtiennes un témoignage favorable de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je déclare que tes oreilles et tes yeux s'ouvriront spirituellement pour entendre et pour voir les choses que tu n'as pas encore vues et que tu n'as pas encore entendues au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu se lèvera dans ta vie comme un guerrier pour combattre quiconque lève sa main contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je déclare que tu verras le bonheur de Sion au nom de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Psaume 128, que tu verras le bonheur de Jérusalem et tu jouiras de la longue vie. Tu verras des enfants de tes enfants.
Je le déclare au nom de Jésus-Christ. En 2022, pour toi, ce sera une année spécialement de témoignages favorables. Tu vas obtenir un témoignage favorable par la puissance de la foi qui agit en toi au nom de Jésus-Christ. Car il est dit dans Hébreux 1 que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, de ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais on l'espère. Et la Bible dit que les anciens, pour la voir, ils ont obtenu un témoignage favorable. Parce que tu as la foi à ce que j'ai dit. Parce que tu as la foi à cette parole que je proclame. Tu auras un témoignage favorable cette année. Je le déclare que tu auras un témoignage favorable. Cette année, Dieu va te donner un témoignage favorable. Je ne sais pas dans quel domaine où tu souffres. Je ne sais pas dans quel domaine où tu pleures. Je ne sais pas dans quel domaine où tu gémis. Je ne sais pas dans quel domaine où tu te poses des questions. Mais je le déclare en tant que l'envoyé de Dieu, par la foi que moi j'ai et par la foi que toi tu auras, tu vas obtenir un témoignage favorable. Ça sera pour toi une année d'obtention de ton témoignage favorable. Ça sera pour toi une année où la lumière de Dieu va commencer à briller sur toi. Tu seras éclairé dans tout aspect de ta vie. Et les gens vont marcher à ta lumière. Et tu vas obtenir un témoignage favorable. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon Dieu. En 2022, ta lumière jaillira comme le soleil qui se lève à son matin. Et il va continuer à aller comme le soleil en plein midi. Ta vie sera une vie éclatante, une vie de la lumière. Parce que Dieu te prépare pour avoir un témoignage favorable. Cette année, je le déclare, tu auras un témoignage favorable. Je parle à la femme stérile que tu auras un témoignage favorable. Je parle à celui qui est malade que tu auras un témoignage favorable. Je parle à celui qui est en difficulté. Tu auras un témoignage favorable. Je parle à celui qui pleure. Tu auras un témoignage favorable. Je parle à celui qui se plaint devant Dieu chaque jour. Tu auras un témoignage favorable. Je parle à celui qui est en difficulté, le couple va se briser. Vous aurez un témoignage favorable. Je parle à celui qui est dans le ministère, dans ton ministère. Tu auras un témoignage favorable. Je parle à celui qui travaille dans ton travail. Tu auras un témoignage favorable parce que Dieu lui-même va étendre sa main sur toi pour que tu puisses avoir un témoignage favorable qui va amener les gens à croire à ton Dieu et à te suivre. Parce qu'il est dit, les nations marcheront à ta lumière. Merci Seigneur. Les nations marcheront à ta lumière. Cette année, ce qui t'a longtemps condamné, ce qui t'a longtemps retenu, je les déclare. Aujourd'hui, c'est l'arrêt, parce que tu entres dans l'année du témoignage favorable. Tu entres dans l'année du témoignage favorable. 2022, tu auras des témoignages favorables qui vont étonner les gens. Dieu va t'étonner cette année ici, merci Seigneur. Dieu va t'étonner cette année ici. Dieu va t'étonner cette année ici. Il va t'étonner dans plusieurs dimensions de la vie. Et tu sauras que l'Éternel a parlé au travers de son serviteur. Parce qu'il veut que tu puisses obtenir un témoignage favorable. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Que le Dieu du ciel, que je sers avec persévérance, que le Dieu du ciel, que je sers avec motivation, qu'il étende sa main sur vous. La main des signes, la main des miracles, la main des prodiges, la main de justice, la main des solutions, la main de la délivrance, la main du salut, la main des guérisons, la main de la bénédiction, la main qui vous transforme, qui vous change,
à devenir un témoin vivant des choses que tu as vues et des choses que tu as entendues, que tu aies témoigné à d'autres personnes. Ce que tu as longtemps entendu, que tu n'avais pas encore touché, cette année qui commence, tu le toucheras. Cette année qui commence, tu le toucheras par le nom de Jésus-Christ. Reçois les témoignages favorables et deviens un témoin vivant de Dieu. Témoigne Jésus partout où tu seras. Parce que Jésus-Christ va te témoigner aussi. Quand tu as honte de lui, il aura honte de vous. Quand tu le témoignes, il vous témoignera aussi. J'éloigne de ton chemin les embuscades, les accidents, les complications, tout. Je l'éloigne au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit, je marche devant toi, j'aplanis les obstacles, je brise les verrous de fer, je mets des portes ouvertes devant toi, que personne ne peut fermer. Ésaïe 45, verset 1 à 3. L'Éternel a parlé, la vérité demeure dans sa bouche, il gire par lui-même, et sa parole, elle est la vérité qui s'accomplit dans la vie des gens. C'est ce que dit Ésaïe 45. Verset 23. Oui. Le Dieu du ciel qui m'a mandaté pour des signes de merveille, qui m'a dit va libérer les captifs. Ce Dieu-là, il est vivant. Il va accomplir ses paroles qui sont en train de prophétiser. Maintenant, mettez votre main dans la poitrine. Mettez votre main dans la poitrine. Je vais prier. Le sang d'Israël, j'ai prié pour une famille qui a eu foi à cette parole. J'ai prié pour un peuple qui a eu foi dans cette parole. Je te prie, Seigneur, de tendre ta main de grâce, ta main de justice, ta main de miracle, afin qu'au cours de cette année, Seigneur, que nous démarrons, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année qui commence, Éternel, que tu puisses agir, que tu puisses étendre la main sur eux, que tu puisses confirmer ce que je viens de déclarer, afin que 2022 soit pour chacun de nous une année de témoignage favorable. Une année de témoignage favorable. Un témoignage favorable que toi tu fais à notre égard, selon la foi que nous avons. Car Abraham a attendu longtemps. Mais par la foi, il a obtenu un témoignage favorable. Noé a construit l'arche sans qu'il y ait la pluie. Il a obtenu un témoignage favorable. Un autre a eu la foi en toi. Il a été enlevé parce qu'il a obtenu un témoignage favorable. Seigneur, tous les serviteurs qui nous ont précédés ont obtenu un témoignage favorable. Je te prie aussi, ô Dieu, que nous qui sommes ton peuple, nous qui sommes tes serviteurs servants, répands sur nous aussi l'esprit de recevoir un témoignage favorable. Donne aussi à nous, Père, un témoignage favorable où nous témoignons aux gens que Dieu a parlé et Dieu a accompli. Dieu a parlé et Dieu a réalisé. Ouvre-nous les portes vers les nations. Amène les nations vers nous pour qu'ils soient sauvés. Et mets des portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Et que les nations marchent à notre lumière. Notre Dieu, merci pour ce que tu fais. Nous te glorifions. Nous te bénissions. Nous te louons pour ce que tu as fait, notre Seigneur. Béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, ainsi que j'ai béni toutes les familles. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et soyez encore bénis. De joyeuses fêtes. Et toutes les bonnes choses puissent vous accompagner. Afin que votre témoignage favorable soit à la porte de votre vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je vous remercie. Soyez bénis.